Restez connectés à l'actu en Onis avec Super U, commerçant autrement à Maran. Dernière répétition générale avant le grand lever de rideau pour la troupe du cabaret Saint-Georges qui présentera à Saint-Georges-du-Bois le samedi 26 et dimanche 27 mars sa toute nouvelle revue. Après 2 ans d'absence, la troupe du chorégraphe bénévole Thibaut Bernardin peaufine les derniers détails du spectacle. On est sur 9 tableaux différents où on a mis dans une malle tous nos rêves enfouis depuis 2 ans parce qu'on n'a pas pu faire le spectacle depuis 2 ans. On les a mis dans une malle et on va les ressortir les uns après les autres. Donc on peut être bien au carnaval de Rio, on peut être mannequin, meneuse de revue, ou encore partir sur les contes des mille et une nuits, vivre une histoire d'amour à Paris, enfin voilà. 9 tableaux, 2 heures de spectacle, 13 décors, 180 costumes et plus de 375 mètres de plumes, avec une particularité propre au cabaret Saint-Georges. La majorité donc, des costumes sont faits main, toutes les structures de plumes, tout ça c'est également fait main, les décors sont peints également à la main, tout est fait maison, made in cabaret Saint-Georges, on n'est que des bénévoles qui œuvront donc sur scène, mais également en coulisses, afin donc de chercher le petit détail pour sublimer le spectacle. Il aura donc fallu plus de 2 ans de préparation à cette troupe de 23 bénévoles sur scène de 7 à 71 ans pour enfin présenter ce nouveau spectacle. Alors ce spectacle a une petite histoire, il a été fait en 2019. Nous faisons traditionnellement notre spectacle le dernier week-end de mars. En 2020, en mars 2020, nous n'avons pas pu le faire, logique. Donc nous avons rangé nos costumes, voilà, on les a ressortis, on a voulu les ressortir mais on n'a pas pu finalement, donc on n'a pas pu le faire en 2021. Donc on le fait maintenant en 2022, après 2 ans d'attente, mais enfin on va pouvoir sortir de cette malle tous nos rêves. Depuis 2016, le cabaret Saint-Georges se veut être familial, un retour sur les planches que Thibaut et toute sa troupe attendent avec impatience. Rendez-vous le 27 mars pour la première. Oh,